Donc, la suite de la lecture biblique dans Esther, chapitre 3 et 4. Le complot de Aman. Aman s'empressa de mettre son plan contre les Juifs à exécution. Il envoya immédiatement des messagers dans toutes les parties de l'Empire pour annoncer que le 13e jour du mois d'Adar, tous les Juifs seraient massacrés et leurs biens confisqués. Mardochée pleura en apprenant cette nouvelle. C'est une catastrophe! S'écria-t-il. Aman veut exterminer tout un peuple, mon peuple! Il mit un habit de toile de sac et se couvrit la tête de cendres pour montrer sa tristesse. Des pleurs et des gémissements s'élevèrent de toutes les maisons juives de l'Empire. Les servantes d'Esther la mirent au courant de ce qui se passait. Elle envoya un message en cachette à Mardochée, qui lui fit répondre: Il faut absolument que tu plaides la cause de ton peuple auprès de l'empereur. Tu es notre seul espoir. Quand elle lut la lettre de son cousin, les larmes lui montèrent aux yeux. C'est impossible! S'écria-t-elle. Quiconque se présente devant l'empereur sans avoir été convoqué doit mourir, sauf si l'empereur lui tend son sceptre en signe de pardon. Cela fait un mois qu'il ne m'a pas appelée. Elle envoya un nouveau message à Mardochée pour lui expliquer tout cela. La réponse de son cousin ne tarda pas. Ne t'imagine pas que tu es en sécurité simplement parce que tu es impératrice. Tu restes juive. Il faut que tu penses à ton peuple. Et qui sait, peut-être est-ce en vue d'une telle situation que tu es devenue impératrice. Esther réfléchit longuement à ces paroles. Et si son cousin avait raison? Et s'il était de son devoir de prendre ce risque? Dans un cas comme dans l'autre, ses jours semblaient compter. Elle envoya ce dernier message à Mardochée. Demande à tous les Juifs de Suse de jeûner et de prier pour moi pendant 3 jours. Je ferai de même de mon côté. Ensuite, je me rendrai chez l'empereur, même si c'est contraire à la loi. Et si je dois mourir, je mourrai. Seigneur, donne-moi le moment venu de faire preuve du courage nécessaire et sois mon soutien dans ces moments-là. Amen. Donc, d'où vient le jeûne de 3 jours? Comme ça vient de Esther. On dit le jeûne d'Esther. La suite dans Esther chapitre 5. Esther devant l'empereur. Esther jeûna et pria pendant 3 jours. Puis elle revêtit ses vêtements impériaux et se présenta à l'entrée de la chambre du trône. Son regard croisa celui de l'empereur. Elle se força de rester calme. L'accueillerait-il favorablement? La ferait-il exécuter? Elle osait à peine respirer. Xerxès la regarda d'un air pensif. Sa nouvelle impératrice! Cela faisait si longtemps qu'il n'avait plus passé de temps avec elle. Pourquoi était-elle venue? Cela l'intriguait. Lentement, il lui tendit son sceptre d'or. C'était le signe qu'Esther attendait. Elle s'approcha avec un soupir de soulagement. Dis-moi ce que tu veux, lui dit l'empereur. Je promets de te l'accorder. Si tu le veux bien, majesté, j'aimerais que Aman et toi veniez ce soir à un festin que j'ai préparé pour vous. Avec plaisir, répondit Xerxès. À la fin du banquet, il demanda Il demanda une nouvelle fois à Esther ce qu'elle désirait. L'impératrice baissa respectueusement les yeux. J'aimerais que vous assistiez tous deux à un autre festin demain soir. Je répondrai alors à ta question. Je me demande bien ce que veut Esther, songea Aman, le cœur joyeux. Elle doit me prendre pour quelqu'un de très important pour m'inviter une deuxième fois. C'est sûrement bon signe. En sortant du palais, Aman apparut, apparut, pardon,
aperçut Mardochée. Les deux hommes échangèrent un regard. Mardochée ne se leva pas et n'inclina même pas la tête en signe de respect. Ce juif, quelle insolence! Plaignit Aman à sa femme et à ses amis en arrivant chez lui. L'empereur et l'impératrice m'estiment beaucoup, mais cet étranger minable me traite comme un moins que rien. Use de ton autorité pour faire dresser une potence, lui suggéra sa femme. Tu y feras pendre ce vaurien. Seigneur, apprends-moi à employer des méthodes pacifiques pour convaincre les autres de bien agir. Amen, Seigneur. Aide-nous, Seigneur Jésus. Merci. Hé, la suite que je vais faire très vite, hein. On ne peut pas rester comme ça. Soyez bénis.